Alors, je n'aime pas donner de conseils, chacun vit sa vie comme il veut et c'est bien. Méfiez-vous de la compassion, c'est plutôt pour moi un terme qui n'est pas si positif que ça, parce qu'il y a une instrumentalisation de la bonne volonté, de la gentillesse, et je pense que justement on rejoint la société où il y a une victimisation, on est tous victimes de quelque chose, et donc il y a quelque part des gens qui sont des compassionnistes professionnels qui sont censés assumer le bien dans la société. Quand ce bien est instrumentalisé aussi, par exemple qu'on apprend aux étudiants en médecine la psychosociologie et l'éthique en leur demandant d'apprendre par cœur sans réfléchir, on se dit qu'il y a un petit problème. Donc le conseil que j'aurais à vous donner, c'est qu'est-ce que vous voulez vous finalement, pourquoi vous êtes là-dedans, posez-vous la question, qu'est-ce que vous cherchez, quelle est votre quête, quel est votre objectif, d'une part en réfléchissant, deuxièmement en vous positionnant du côté du bien, et troisièmement en travaillant sur les liens entre soins, compassion et la cité, l'aspect politique. Donc, c'est extrêmement riche. Donc, la seule conseil que j'ai à vous donner, c'est trouver vous-même les conseils que vous avez à vous donner. C'est pas moi qui vous les donnerai, quoi.